Bonjour, bonjour. Alors, je remets juste tous les sons où il va. Bonjour, le chien est là aussi. J'arrive du coup. Hop, tac. Je disais donc, bonjour.
Normalement, c'est bon. Pauvre petit cœur, il a entendu un truc qui lui a pas plu, je pense. On va un peu baisser. Dark Souls, voilà. Elle est très épique, cette musique. Écoutez, on fera un truc grandiloquent. Bon, du coup, bonjour, pour de vrai, avec moins d'aboiement derrière. J'espère que vous allez bien, j'espère que je fais pas trop de bruit et que la musique, enfin bon, que le mixage audio est pas trop caca. Hop, je vais même vous mettre ça là, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va jouer à du JDR solo, un hack de Lasers and Feeling. Ça, c'est cool. Fait par Elric Melny, qui fait partie de un duo rôliste. Et Lasers and Feelings, je sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais en jeu de rôle, on parle de hack quand on parle de jeu basé sur un système. Ouais, c'est un peu bizarre comme mot, mais c'est une habitude dans le milieu. En gros, c'est basé sur Lasers and Feelings. C'est juste le terme consacré par habitude. Peut-être parce qu'on ne demande pas toujours l'autorisation de réutiliser le système, je sais pas. Mais du coup, voilà, donc, qui est basé, et puis en fait, parce que c'est, voilà, c'est hack... J'ai perdu ma souris, là. Il y a le hack, donc c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Vraiment, je t'aime beaucoup Dark Souls, mais j'avoue que c'est pas forcément la vibe que j'ai envie d'avoir, là, pour blablater. Tiens, ça c'est quoi? Allez, voilà, un peu plus cool. Donc, Lasers and Feelings, si vous connaissez pas, c'est un jeu de rôle de groupe. Un jeu de rôle, donc, un format classique avec plusieurs joueurs et joueuses et du MJ. Qui est très simple, où en gros, t'as deux scores. T'as deux types de scores. Et puis, toi, tu te mets entre les deux. Le mec qui expliquait extrêmement bien le principe. Bah là par exemple, voilà, vous choisissez avoir un score, une base de entre 2 et 5. Parce que ça se joue avec des D6 et du coup faut pas être à 1 ou à 6 puisque c'est pas comme ça que ça se joue. Donc entre 2 et 5. Et puis du coup, plus vous êtes bas, là par exemple, plus vous êtes vers 2, plus vous allez être fort en véracité, et plus vous êtes en 5, plus c'est grandiloquent. Je vous explique dans les grandes lignes. Dans Lasers and Feelings, donc c'est plutôt laser, plutôt feelings. Donc plutôt action, plutôt sentiment. Voilà, Lasers and Feelings. Donc tous les jeux Lasers and Feelings ont deux stats. À moins d'un hack un peu joueur qui a changé plus de choses que ça. Et un truc intéressant dans Lasers and Feelings, c'est que dans le jeu de base, il y a pas mal de tables aléatoires pour vraiment faire de la partie sur le pouce, ça tient en deux pages. Hein. Même Lasers and Feelings, je crois qu'il tient en une page, j'ai un doute. Mais ouais, c'est fait pour du jeu sur le pouce. Et vous trouvez d'ailleurs Lasers and Feelings, les règles sur Internet gratuit. Hein. Si jamais ça vous intrigue ce que je dis, il y a plein de hacks qui existent, qui sont sur des thématiques très cool. D'autant plus qu'il y a eu une Game Jam. Hop, voilà, c'est l'occasion d'en parler, overview. Donc, Things and Another Things, une game jam, hop, je vous mets le lien dans le chat si jamais. Et donc, il y a eu 27 participations, et plein de trucs qui ont l'air très cool, et plein de trucs qui ont l'air assez inventifs dans la façon d'interpréter le truc. Donc, Légende du Tigre et du Dragon, qui d'ailleurs est en train de se financer tranquillou avec les achats pour rajouter un peu de contenu, je crois. Voilà, là je vois Cultiste et Catastrophe, forcément ça me parle. Soul et Survival, voilà. Badass Woman on This Planet, c'est pour jouer des femmes d'action, Détective Fantôme, Bishops and Barons, Weirder Stuff. Enfin voilà, je vous laisse regarder, il y a pas mal de trucs. Police scientifique, hack and slash, pour le jeu de mots. C'est Lasers and Feelings, de toute façon, il y a le côté la blague. La blague n'est jamais très loin, hein. C'est difficile de l'éviter. En même temps, pourquoi,
Pourquoi l'éviter? Dads and Dex, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, pour D&D. Et oui. Et du coup, hop, je vous mets aussi. Nya, je veux ça. Bonjour Monsieur Skyrim, mais je sais pas trop si j'ai le droit de vous mettre là. Donc dans le doute, je vais pas vous mettre, même si de toute façon cette playlist, la moitié des trucs, je me fais strike. Et donc le jeu de rôle donc qu'on va jouer aujourd'hui, ça s'appelle Mes Mémoires, et la particularité qu'il a, vous vous en douterez, sinon il serait pas sur la chaîne, c'est qu'il se joue en solo. C'est aussi pour ça que on a attiré mon attention dessus. Donc qu'est-ce que nous dit la page itch.io? Mes Mémoires est un jeu solo d'écriture pour retranscrire à la poste pour la postérité une des dernières aventures ou scènes qui vous a marqué. Ah ouais, pas de problème avec Skyrim? Bon, bah désolé. Après avoir défini le contexte de cette aventure ou de cette scène, c'est le moment de l'illustrer en se rappelant les faits. C'est la véracité, voilà, ça va être explicité dans les mécaniques après, ou en faisant un petit écart pour donner plus de saveur, pour être plutôt grandiloquence. Mais aussi parfois en brodant quand la mémoire vous a joué un tour. En deux pages seulement, soyez prêts et prêtes à écrire votre aventure. Voilà. En le lisant, ça m'a donné un petit feeling à la. Comment ça s'appelle? Il y avait un petit côté, mais alors léger, mais c'est vraiment dans le côté écriture sous contrainte, plus que vraiment jouer la scène. Il y avait un petit côté Quill, qui est un jeu où on écrit des correspondances, on écrit des lettres. Et j'avais joué à Quill Lovecraft, Quill Cthulhu, qui était extrêmement chouette, qui se jouait en campagne. Il faudra que je joue, il y a un mode de deux joueurs. Il faudra que je le teste à l'occasion. Donc voilà, mes mémoires. Il n'y a pas forcément de cadre très précis, même si on va voir que la magie des tables aléatoires va nous donner un peu de cadre. Donc c'est en prix libre et c'est aussi en anglais, si jamais vous avez envie. Et on est déjà à la 1.6, donc il y a eu un petit peu d'affinage. Même si c'est un jeu de jam. Donc voilà, hein, c'est deux pages, c'est assez brut, mais ça reste lisible, il y a tout ce qu'il faut. Mais vous attendez pas non plus un bouquin complet avec illustration et puis 300 pages de règles. C'est aussi un peu l'intérêt, faut pas déconner. Donc, mes mémoires, ça se joue en solo, donc vraiment, c'est moi et les dés, et puis vous qui allez subir mes bêtises. Histoire de varier un peu les plaisirs tout de même, j'essaye d'illustrer ce que je raconte pour avoir un petit support visuel. On va voir ce que ça donne avec la petite musique de Slay the Spire et il faut que je change le texte de présentation parce que je l'ai pas changé, je suis un gogo. Mes mémoires. Racontez votre dernière aventure. Est-ce que ça rentre ça? Parce que ça m'a l'air très long. Ah oh, non, ça rentre. Eh bien. Pouit, voilà. Bon, j'espère que le dogo va pas entendre je ne sais quel enfant faire du vélo dehors. Sinon, bah, je suis d'abord, vous entendrez des aboiements. Dites-vous que c'est mignon. Pour l'instant, il est très occupé par le jeu et que je vais les laisser. Donc, déjà, donc dans mes mémoires, voilà, on va raconter nos mémoires parce que, bah, je vais vous lire le texte d'intro. Ça y est, vous avez quelques minutes devant vous pour coucher sur le papier ou tout autre système les mémoires de votre dernière aventure. Cependant, vous n'avez pas trop de temps. Une nouvelle aventure vous attend déjà, et comme vous ne savez pas dans combien de temps vous pourrez de nouveau souffler, jetez-vous à l'eau immédiatement. Ça m'avait aussi rappelé un petit peu les 5 minutes, les jeux en 5 minutes. Ah bon, ça me rappelle plein de trucs. Peut-être parce que c'est un jeu de rôle, solo. Et donc de toute façon, faut écrire des trucs. Donc ben voilà, après ça c'est la présentation qui a déjà été faite, mais Mémoire est un jeu d'écriture pour retranscrire pour la postérité une des dernières aventures que vous avez vécues. Qu'est-ce que? Déjà, qui qu'on est? Vous avez une activité principale qui vous permet de partir dans des aventures. Donc, on aura une activité. Il faut que j'arrête d'écrire en attaché. Tourte, ce n'est pas bien, tu écris comme une daube. Les gens. Déjà, ils écoutent tes inepties. Je leur fais pas subir ça.
Voilà. On va avoir une activité, un profil. On verra ce que ça veut dire. Donc ça va être nos expertises, le profil. Bien sûr, cela se ressemble comme cela. Et pour pimenter le tout, vous avez un objectif. Heureusement que j'écris en détaché, parce que c'est déjà bien merdique. Un objectif et une faille. Oh là là, on a des défauts. On est un peu comme Monsieur Stark. On n'est pas un homme parfait. Donc il y a tous les tableaux après et on a aussi une signature. Je sais pas pourquoi c'est le premier. C'est le côté faut que vous ayez une aventure et vous avez des failles. Je sais pas pourquoi ça m'a rappelé Iron Man. Voilà. Et puis on aura un score à choisir entre 2 et 5. Donc soit on sera plutôt du côté du grandiloquent, soit on sera plutôt du côté de la vérité. Donc voilà, pour définir votre curseur de mémoire entre grandiloquence et véracité que vous utiliserez lors de la retranscription de vos aventures. Ça, Lacal, Zwifi, est-ce que tu reconnais cette musique? Et si des gens en reconnaissent, mais Zwifi est théoriquement bien placé pour reconnaître. Encore que, je sais pas, mais donc, qu'est-ce que c'est grandiloquence? Et là, est-ce que tu l'entends mieux? J'ai monté un peu. Grandiloquent signifie que vous allez raconter avec moult détails et exagération. Eh oui, Bob l'éponge, bien joué. Et du coup, elle est assez faible la musique, c'est ça? Tant qu'à faire. Ou c'est juste. Enfin, est-ce que je la laisse à ce niveau-là ou est-ce que je la baisse un peu, tu penses? Donc voilà, grandiloquence, on va en rajouter des caisses en gros, hein, alors que la véracité, on va garder. On va rester collé aux faits. On va. Je vais la baisser un tout petit chouï parce qu'elles sont pas toutes au même niveau, mais ok, on va la garder un peu plus élevée. Et voilà, des phrases courtes, pas de fioritures, on n'en fait pas des caisses, on reste sur la vérité nue. Après, les gens sont chiants de contenir sur mon baisse. C'est pas grave, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, qui qu'on est, on va lancer des D6 pour le savoir. Alors. Activité des aventures. Nous sommes du coup en 6. Salut Angela. Ça va? 6 ou 3, soit on est dans un clan, vampire ou autre, soit on est au milieu d'une fouille archéologique. Hein. Vous êtes plutôt team Indiana Jones ou team chef de la Camarilla, chef des loups-garous, des vampires, un truc comme ça? Plutôt monde de la nuit ou les pillés des tombeaux. Un mix des deux. J'avoue que un Indiana Jones, loup-garou. Allez. On peut avoir un robot. Ah, il peut pas être loup-garou. Y a quoi dans les occupations? Visiblement, on peut pas être un robot dans les trucs. Un qui tire des lasers et tout. Indy Terminator. C'est quoi le numéro Ah ouais, elle coupe comme ça, ok. Donc on est un Indy robot. Elle est fun cette musique, c'est quoi? Ah, Rhythm Diff. Ouais, je viens de rire en même temps. Ensuite, nous sommes un. Notre expertise, c'est. Notre. Ouais, on est très bon en quoi? On est très humain, l'humain avant tout. Non, mais moi ça me va le indie robot, c'est marrant en vrai. Donc, soit l'humain avant tout, soit le muscle, y'a que ça de vrai.
Notre capacité, notre, voilà, notre grosse compétence, vous la mettriez dans... Est-ce qu'on est plutôt empathique ? Il s'appelle IA. Oh. Mais oui. Indy, faut pas trop m'écouter. Si, si, c'est important d'écouter les conneries. Indy à Nature. Donc ouais, on est plus... Bah, si on a un robot, je nous imagine un peu plus Monsieur Muscle que Monsieur Empathie. Quand même. Du coup, j'imagine un robot à la... Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est... on est un robot ennemi. Allez, on est force. On a du musc. On a du musc. Quel est notre objectif ? Eh ben, les dés vont nous proposer quelque chose. Les dés nous proposent comme objectif 4 et 2, enfin 4 ou 2, donc soit l'argent, soit être au sommet d'élite dans votre domaine. Non, mais il fallait que je mette son nom quelque part, voilà. Il est bien là. Donc, un robot Picsou, je trouverais ça un peu marrant, j'avoue. Le robot Picsou me fait marrer. Parce qu'être le... Après, être le meilleur robot archéologue, c'est peut-être pas trop compliqué, tu vois. Donc, je me dis... il nage dans son trésor, ouais. Allez, objectif. Money. Un robot dandy aventurier, c'est ça. Voilà. On est très fort. On est fort avec des muscles. Et on veut de l'argent. Et on a une faille. Indiana Dandy aventurier. 6 ou 3. Donc soit on n'a aucune patience et on est un gros bourrin. Ce serait logique. Soit la flatterie, c'est juste que l'on reconnaît qui vous êtes. Ok. Est-ce qu'on est quelqu'un qui est facilement détournable par la flatterie, ou est-ce qu'on est plutôt un énorme bœuf sans patience, quoi. La flatterie, le robot qui... Tu sais, le robot qui... Il a des petits radiateurs au niveau des joues, et ça chauffe toujours quand... Quand on le flatte. Je sais pas comment on traduit ça en adjectif, mais je saurais. Voilà, c'est la flatterie. Ouais, je l'imagine bien en mode... Oh, t'as des boulons au lieu en mode merci d'avoir remarqué. Très bien. Je les ai fait chromer hier. Ouais, c'est, ah, clairement, oui, il a assez imbu de lui-même. Et du coup, on a un truc signature qui est à nous de choisir, parce qu'en plus, là, la ville... les villes mécréants n'ont pas mis de table aléatoire. Oh, bonjour toi. De table aléatoire. Un truc qui serait bien à nous. Moi j'imagine bien du coup avec une grosse clé à molette. Mais genre façon un peu clé à molette antique.
un truc vaguement égyptien chelou. Vu qu'Angela évoquait le fait que peut-être il ait été déterré du sable. En fait, c'est un golem le truc. Ça me donne une amphore antique. C'est genre un havresac, c'est une amphore sans fond. C'est pas évident de dire amphore sans fond. Un sceptre. J'ai pas d'ouïe, t'inquiète. Hop. On va lui mettre un sceptre. En force, on fonce. Non, non. Elle est un peu... Ouais. Et puis... Voilà. On a un sceptre... sceptre à molette. Même s'il n'y a pas du tout de molette, mais vous avez l'idée. Et du coup, déjà, il a un sacré mood, ce perso, je trouve. Hein. PJ, hop. Et on a un score de... Du coup, je l'imagine quand même plutôt du style... Ah ouais. Est-ce qu'on est plutôt grandiloquent ou à coller à la vérité? Parce que d'un côté, c'est visiblement un frimeur. Mais en même temps, de l'autre, c'est un robot. Donc, je sais pas de quel côté de la vérité il se place, Loustic. Vous voyez mon problème? J'ai des grands problèmes, ouais. Quelle vérité? La vérité vraie? Je sais pas où tu veux en venir avec cette question, on dirait. Du coup, je sais pas, mais... Parce que du coup, là, on va devoir raconter la dernière aventure qu'a vécu Indy, Anna, John. Et du coup... Est-ce qu'il va rester dans les faits ou est-ce qu'il va en rajouter des caisses? Est-ce que c'est du genre, voilà, en rajouter des caisses ou pas, quoi? Il a trouvé le trésor de Kali Baba. Moi je me demande, il y a des... J'irais plus du côté moi de la... De la... Du grandiloquent. Du coup, il se place du côté de sa vérité universelle, bien sûr, où il est meilleur, bien meilleur que les autres. Picsou, tout ça, bon, je l'ai pas. Ah, j'avais compris qu'il y avait il y avait la blague, mais j'ai pas poussé plus que ça. Je suis désolé, mais c'est pas grave, hein. Je peux pas rire à toutes les blagues. Ça serait beaucoup sinon, t'imagines? Là il fait peur, mais je vous assure, il va faire moins peur après. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Angela, c'est du genre à... Il a une vérité.
En fait, il a un petit côté. Bah, il a les petits côtés d'IA qui font peur. Où elles connaissent toujours les choses mieux que tout le monde. Elles savent ce qui est bon pour nous. Ouais, on est d'accord. Et bah écoutez. Je sais pas ce que je fais, hein, donc paniquez pas, c'est normal. Voilà, j'imagine vraiment avec un mini capot. Ça reste un robot, mais il y a un mini capot. J'ai bien envie de lui mettre des pattes aussi. Ça va, il fait pas trop peur. C'est pas. La blague de Canard PC est trop évidente, je suppose. Canard PC... Non, je l'ai pas encore. Putain, je suis désolé. Enfin, à part avec Picsou, c'est ça? Tu me fais paniquer maintenant. Bah parfait, bah tu fais bien de lui confier tes gosses sans hésitation. Je sais pas à quoi il ressemble quand il sourit. Ah, je pense voir pourquoi tu trouves qu'il ressemble à un robot. Effectivement. Enfin pourquoi tu trouves qu'il ressemble à un canard, pardon. Parce que oui, il ressemble à un robot, c'est assez logique. Voilà. C'est parce que je vois pas bien. Non, non, mais c'est possible qu'il ressemble à un canard. Hein. Je fais une mâchoire. C'est une sa mâchoire. C'est la mâchoire du robot. Tu sais, ça fait comme les pantins, ça fait blip blip. Du coup, je peux lui faire un nez si ça te perturbe qu'il ait pas de nez en fait. Hein. Voilà. Il a un nez maintenant. Et je vous jure, il est gentil. Son cou, je croyais que c'était sa bouche. Ah! Non. Voilà. Bon, faut que j'arrête mes conneries, moi. Et là, du coup, un col. Donc ça, c'est Indiana Jones. I-A-J. Yaj. Ou I-A pour les intimes. Et donc, I-A, il va plutôt être du côté de la grandiloquence. Hop là. Du coup, ça veut dire que IA, il va plutôt être... Donc de toute façon, 3 c'est le centre. Donc 4. C'est ça, hein. Si... Alors on va relire la règle. Donc comment ça va se passer les actions? Une fois qu'on va avoir posé le contexte de la scène, on va raconter notre mémoire. Donc, on lance un D6. Si vous avez eu des complications pendant cette scène, que vous vous remémorez, ou qu'un autre joueur, si vous jouez pas en solo, veut vous rajouter du piment, quoi. Alors, si vous avez une complication durant la scène, ou que quelqu'un vous a aidé, si vous êtes plusieurs, ajoutez un D6. Si le profil a une expertise, donc nous c'est la force, on pourra ajouter un des 6. Enfin, si
Vous allez introduire une référence à un livre, un film, une BD, une musique, un personnage. Ajoutez un dernier des 6, on peut en avoir 4 au maximum du coup. On les lance tous. Si vous utilisez grandiloquence, donc si on en rajoute des caisses, on va aller plutôt du côté de grandiloquence, vous devez faire moins que le score. Si, à l'inverse, on va vers vérité, il faut faire au-dessus. Du coup, nous, vu qu'on est plutôt grandiloquent, on a 4. Donc, voilà. Je me mets des petites notes. Donc ça, c'est le fonctionnement de Laser and Feelings de base, si vous ne connaissiez pas, bienvenue. Et du coup, là, ce qui est... Je me rappelle plus que le jeu de base faisait ça, mais certainement. Et là, du coup, mettons, on est en train de raconter comment on a, avec énormément de panache, cassé la gueule à une armée entière de méchants... comment ? De méchants pilleurs de tombes, et que... on a sauvé la statue, le trésor de Ali Kaba. C'était ça ta blague? Je sais plus. On va dire que oui. Tu deviens un fond sonore. J'ai besoin de mon PC, de mon portable. Ça marche. Eh bien, je ferai de mon mieux d'être un fond sonore. Et du coup, voilà, on a sauvé tout ça, on en rajoute des caisses, donc ce serait plutôt faire grandiloquent. Donc là, on va lancer nos dés, il faut qu'on fasse en dessous de notre score, donc en dessous de 4. Donc c'est plutôt facile pour nous, alors que quand on doit faire dans la véracité, il faut qu'on fasse au-dessus de 4. Là, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Si aucun de vos dés ne réussit, votre vision de la scène échoue, votre mémoire vous joue en tour, la situation devait comporter une complication majeure. Racontez cet échec dans l'esprit grandiloquent ou véracité ainsi que la complication avant de passer à la scène suivante. Des exemples seront donnés plus bas. Ok. Si on a un dé qui réussit, vous obtenez une réussite partielle. Et il y aura une complication mineure. Si deux dés réussissent, c'est une réussite totale. Le résultat attendu se produit, vous pouvez retranscrire la scène comme vous le souhaitiez. S'il y a 3 dés qui réussissent, c'est une réussite excellente. En plus du résultat attendu, vous vous souvenez que la situation s'améliorait. Racontez la scène comme prévu. En ajoutant cette amélioration, des exemples sont donnés plus bas. Et si on réussit avec 5, il n'y a pas de 5. Donc c'est... voilà. Il n'y a pas prévu avec 4 dés, mais voilà. C'est déjà en gros échec, réussite partielle, réussite et réussite critique. Si un de nos dés fait pile le score, donc nous c'est 4. Si un dé fait pile 4, non seulement c'est une réussite, mais en plus, l'histoire résonne avec votre mémoire et vous pouvez retranscrire la scène comme vous aviez prévu. Et vous pouvez choisir de terminer le récit ici et signer de votre majestueuse signature. Je pense que du coup... ah. Bon, on inventera notre signature de fin après. J'ai mal interprété un truc, c'est pas grave, on s'est rajouté un peu de style. Ok. Donc, nous sommes Indy, Anna, John, IA pour les intimes. Nous sommes un robot archéologue. Un robot archéologue. Donc, notre grande compétence, c'est d'être extrêmement fort. On fait tout ça pour la thune. Et notre faille, c'est qu'on est faible face aux flatteries. Parce qu'elles ont toujours raison, les flatteries, de toute façon. C'est vrai qu'on est incroyable, on est beau, on est fort. On sait tout faire. Enfin, voilà. Donc, c'est pas des flatteries. Hein, c'est juste qu'ils disent la vérité. Et du coup, on a un petit sceptre à molette qui a été déterré avec nous, puisqu'on est un robot antique, un peu particulier, mais voilà, maintenant on est en train de... on explore les mystères du passé dont on vient nous-mêmes, au final. J'aime énormément ce perso, je sais pas, il y a un feeling cool avec l'idée d'un robot déterré du passé, vivant, qui explore du coup les ruines et tout, pour un peu retrouver... son passé, mais aussi pour les thunes. Oui, grave, c'est Bender. C'est vrai qu'il y a un côté Bender.
Genre ça fait un peu les persos où ça il pourrait être aussi bien un peu complexe et touchant et tout qu'un gros bourrin qui en a rien à foutre en fonction de comment t'as envie de l'écrire. J'aime bien. Mais oui, il y a un petit côté Bender, effectivement. Donc, tout fier de son cul en téflon. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'on va raconter? Création d'une mémoire, aventure en scène. Votre aventure devrait comporter plusieurs scènes qui vous ont amené ici à vouloir retranscrire pour les conserver. Vous allez voir, c'est très facile. Il y a juste trois étapes à suivre. Donc, vous allez vous remémorer ces scènes et les retranscrire avec grandiloquence ou véracité, et aussi en tenant compte des aléas que vous aurez à affronter. Bon, ça c'est normal. En gros, c'est tout ce qu'on a vu pour le moment. Pour une partie courte, prévoyez une à deux scènes. Donc c'est ce qu'on va faire, parce que j'aimerais bien finir tôt. Alors, Dogo à balader. Il a fini son joujou. Première étape. Choisir le thème, la Némésis et son objectif en lançant un des 6 pour chaque. Donc voilà, là il y a les petits tables aléatoires pour musique, donc on va les utiliser comme on a fait juste avant. Je sais pas si vous entendez la musique. Est-ce que vous savez d'où vient cette musique? C'est le live blind test aussi. J'aurais jamais parié que ça venait de là. Ah mince, elle est finie, attends, je vous la remets. Non! Remets-la! Si tu n'exploses pas, remets-la s'il te plaît. Poing, 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 poing. Pas du tout un Mario ni quelque chose comme ça, mais je suis... Oui, hein, on m'aurait cru. Par contre, il y a un style un peu cartoon dessin et tout, c'est wow. Bonjour Kaiser Omnic qui arrive comme ça avec la réponse, qui donne la réponse comme un prince. Et oui, c'est World of Warcraft, visiblement, ça vient de l'extension Mist of Pandaria. Voilà, ça me fait un peu rire qu'il y ait ça. Ça m'étonne qu'à moitié dans un MMO, mais en même temps, voilà. Du coup, on va construire la situation. C'est la musique de WoW qui t'a attiré comme ça, le casou, c'est un appât au Kaiser. Ou comment ça se passe? Le casou, ça a une force humoristique assez inégalée. C'est maintenant le thème musical de ton robot. Allez! Je suis vraiment en train d'imaginer des plans séquences, tu sais, où tu vois IA en train de creuser dans des dunes de sable, en train de courir avec des artefacts qu'il ne devrait pas avoir, genre il les a piqués dans un musée qui traînait par là. Hop là. Ce genre de conneries. Alors avant c'était Bender, maintenant c'est Yosef, quand même. Donc, 6 ou 1, notre thématique d'aventure, c'est trouver une relique, un lieu, une personne, ok, ou trouver des alliés. Alors, je réponds pour vous, pour moi, là, on va plutôt être dans trouver des thunes. Voilà. La roublardise du US, ça se rapproche de celle de Bender. Ah, je sais pas, quand même, il y a moins de problèmes d'alcool, hein. Et maintenant le robot chante, ouais mais ça c'est... Voilà. Donc le thème, ok, trouver un artefact, trouver relique. Voilà. Trouver une relique. La Némésis, donc ça c'est un savant fou. Ah. Soit une forme extraterrestre ou extradimensionnelle. Vous êtes plutôt quoi comme menace? Oui, Crypt of the Necrodancer, mais ça va, t'inquiète. C'est... Elle est pas un peu forte d'ailleurs la musique. C'est vraiment difficile de savoir comment comment la musique couvre la voix. Vraiment sur les retours, c'est pas clair. Et ça va, c'est audible.
Donc toi tu proposes une créature interdimensionnelle, ok. Némésis. Le temps des tempêtes. Non, non, non. Indiana Robot qui vient de l'univers parallèle maléfique. Et Zwifi, c'est quoi, t'as eu toutes tes heures de sommeil? C'est ça? Quelqu'un t'a laissé dormir tout ton saoul et du coup tu fais que des vannes? Quel est l'objectif de notre Nemesis 6 ou de corrompre un de nos proches ou se venger? On n'a pas de proche. On a la flemme de lui donner un proche. Non, non, vengeance. C'est peut-être l'absence de sommeil, faire de l'animation était une... Ah oui, mais alors faire de l'animation, clairement... Surtout vu en plus ce que tu te donnes, Zwifi, hein, ça m'étonne pas que... Que ça fatigue. Ok. Et les trois autres tables, c'est en fonction des résultats des dés. Pour nous aider. Ok. Bah c'est cool. Bon, donc, c'est ça l'aventure. On va raconter ça en à peu près deux scènes. On va voir. Les autres entrées du tableau, nanana... Après avoir lu et interprété les résultats du lancer initial, transcrivez sur papier ce point de départ, ce contexte qui vous lie à la Némésis et son objectif. Ok. Troisième étape, vous allez vous rappeler la scène que vous voulez décrire, la scène finale si vous avez choisi de jouer en une scène seulement, et lancer un ou les dés pour activer votre mémoire. Après avoir traité ce résultat, transcrivez-le sur papier, et bon voilà, après rejouez normalement. Ok. Kaiser, Didi, avec ta force tu as punché si fort que t'as ouvert une brèche vers sa dimension, il est pas content que tu aies détruit son mur de salon. En vrai, j'imagine vraiment un truc comme ça. Genre on a comment ? Oui, vous avez fait. The Elder Scrolls, bravo. Elle était difficile celle-là. Mais on était en train de piller des tombes. Enfin, on ne les pille pas, hein. c'est pour les mettre dans des musées, tu vois. Leur place est dans un musée. C'est Morrowind Sims. Je ne saurais pas te dire puisque elle vient de partir. Tezo, je trouve que ça fait très insulte. Genre, Tezo. Non, t'es peut-être que moi, mais. Donc. Mais ouais, on a. Tezo, pas Tezo. Oui, merci. En 10 ans que j'ai compris. C'est peut-être moi aussi qui suis un peu en manque de. Bon, je vais ignorer Zwifi qui nous fait un. Qui nous fait un quiz continuellement là. Je suis un peu aussi en train d'imaginer le robot jukebox. Il y a tout le temps des musiques qui passent, c'est, il peut rien, c'est comme ça. Oh. Moi aussi j'ai du beau et tu me déconcentres, hein, dis. Fais ton anime là. Hein, pour que les gens ils voient comment t'as bien travaillé à la fin. Donc on a trouvé cette relique en pillant. Bah en volant. Non quoique. Gros malus en discrétion mais 100% de charisme, c'est exactement ça. On a pendant une de nos expéditions. On a par inadvertance cassé un mur qui bloquait certainement l'accès à une dimension. Et du coup, ça a libéré cette bestiole qui visiblement n'est pas contente. J'imagine que voilà, on l'a dérangée. Elle était bien là où elle était.
Hop. On a un robot, n'oublions pas. Hop. On a notre petit chapeau d'explorateur qui fera toujours du même côté parce que voilà. Notre petite mèche de robot, parce que les robots du passé, du futur, ils ont des mèches. Et j'imagine bien, genre, casser le truc en mode. Ah merde. En mode thune. Il pense à toute la thune qu'il va y avoir derrière. Est-ce qu'elle tombe devant les yeux? Jamais. Elle est. En fait, c'est du métal, mais. Il a ses petites pattes. Hein. Et dans le dos, on va lui mettre son sceptre à molette. Et il a mis un gros coup de poing très très fort. Vers un mur, du coup. Avec plein d'inscriptions, de dessins et tout. Je fais des igouigouis hein, pour les trucs parce que je vais pas faire semblant de savoir qu'il y a quoi que ce soit d'écrit. Voilà. Voilà, donc il a coincé ça en espérant y trouver des thunes. Kenny, il a libéré une créature extradimensionnelle qui est plutôt chonchon parce que du coup elle voulait juste faire sa vie. Bah non. Il a perdu son sceptre à lunettes et son petit chapeau. La musique va trop bien avec le personnage, je trouve. Oui! Je suis d'accord. Donc il a fait un gros trou dans le mur. Il y avait des trucs là. Et du coup, dedans, il y a...
Une créature, elle est pas contente. Elle est pas contente du tout, du tout. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Et donc elle nous poursuit et on cherche du coup des moyens de... des moyens de la renvoyer dans sa dimension. Voilà, c'est ça qui, c'est ça la jeunesse de notre robot. C'est vrai ça. Est-ce que pour l'instant, non, pour l'instant en vrai, ça c'est le contexte. Par contre, pour comment ça s'est passé ensuite et comment on s'en est sorti, je pense du coup que je vais raconter comment on a trouvé la relique et comment on a scellé la bestiole. Ça va être les deux moments qu'on va raconter. Donc, on est parti en quête pour réparer nos erreurs et surtout sauver nos miches. Et je vais raconter donc dans mes mémoires, les mémoires de Indiana Jones, IA, comment on a récupéré cet objet. Je sais pas ce que c'est la relique, vous avez une idée là comme ça sur le pouce. Elle est grouillée cette musique aussi. Est-ce que ça va juste être encore une amphore? Est-ce que ça va être un talisman? Est-ce que c'est un l'imprimé limité de Goldthor le rutilant? C'était pas censé travailler ce wifi? Bon écoutez, ça va être un genre de grimoire, comme ça on suit l'idée, en partie l'idée de l'autre là qui fait de l'animation, qui est censé travailler. Donc on devait trouver un grimoire, un vieux bouquin qui fait un peu peur. Et du coup, pour l'obtenir, donc là c'est ma question, comment on va faire ça? Vous vous rappelez la scène que vous voulez décrire, la scène finale, là, et lancer les dés après avoir traité ce résultat, transcrivez-le sur papier. Ok. Donc, pour moi, on va rajouter des caisses à cette scène. Certainement qu'on va y aller comme un bourrin. Donc, ça nous fait plus un dé parce que c'est notre cap, notre compétence, en plus on est un bœuf. Donc on a de la force. On a deux dés à lancer. J'aurais bien mis les trucs en gras dans le texte là pour qu'on sache les contraintes. Ou une liste. Lancer. Non, si vous avez une complication. Donc non. Si lors de la transcription de ce récit, est-ce qu'on peut mettre une référence quelconque? On a dû... J'imagine bien qu'on a dû péter la tronche à des cultistes, mais mettre une référence à Indiana Jones, c'est un peu too much. Oh, le Necronomicon, c'est un peu too much aussi. Non, mais peut-être que 2D, c'est bien, hein. 2D, et du coup, on va en rajouter des caisses. Parce qu'en vrai, c'était pas si difficile, mais... Moi, je vous dis, c'était épique. Voilà. Donc, on lance 2D6. Et la question c'est, puisque c'est grandiloquent, il faut qu'on fasse moins que notre score. Notre Nutri-score est à 4. Un peu rien de dire Nutri-score. On a lancé 2 dés, les deux sont en dessous, donc ça c'est bon. Ça c'est, du coup c'est une réussite partielle. Si je me souviens bien, si 2 dés réussissent, c'est une réussite totale. Ah bah non, même pas, allez-y. Le résultat attendu se produit, vous pouvez retranscrire la scène comme vous le souhaitez.
ni plus ni moins. Fort bien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans les steppes glacées, dans les forêts russes, reculées de tout. Et donc, on a dû retrouver ce grimoire dans lequel certainement étaient inscrits des savoirs interdits, des choses comme ça. Enfin, c'est souvent le cas, vous connaissez les grimoires interdits de toute façon. Hein. Ils ont toujours plein de trucs interdits dedans. Hop. Voilà. Du coup, j'ai fait une de NRC, c'est rigolo ça. Donc le truc, il était... On l'a arraché aux mains d'une horde de cultistes qui le vénéraient comme leur divinité. C'est un manuel d'utilisateur de robots antiques. Comment reset ? Qui est recousu de partout. Hop, il y a un petit pansement là. Hop. Et puis ah, donc il faut vraiment mettre des caisses. Donc vraiment, je pense qu'on a vraiment on a dû défoncer tout le monde, et puis en plus il y avait un énorme monstre. Est-ce que les tables aléatoires des complications peuvent pas m'en rajouter une petite fioriture là, une petite fioriture rigolote? 3 ou 1, une personne proche de vous, 1, vous avez dû sacrifier quelque chose, ok, de précieux, ok. Et du coup, on a failli laisser notre chapeau, parce qu'en fait, notre chapeau, quand ils l'ont vu, ils se sont rendu compte que c'était la deuxième relique sacrée de Goltor, selon eux. Enfin, on n'a pas très bien compris, mais en tout cas, il a fallu tous les exterminer. Et ils ont invoqué un pingouin géant, genre comment ça s'appelle ? Un pingouin à trois têtes, un pingouin cerbère, voilà. Qui était l'avatar de Goltor selon eux. Cultistes, hein, donc ils portent toujours les capuches, les cultistes, ils sont toujours en robe, en toge. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ouais, ils ont essayé de voler notre chapeau. On les a explosés. Et du coup, on a pu s'enfuir avec notre chapeau. Et le livre de Goltor, qui est en fait un manuel pour de robots. C'est juste qu'en fait on a un mode réparation de trous dimensionnels. Mais on sait plus comment l'utiliser.
Donc on s'est enfui avec le livre sous le bras. Hop. Avec des méchants qui nous courent après. On dirait un peu des zombies, mais c'est parce qu'ils tendent les bras pour nous attraper parce qu'ils sont méchants. Voilà. Et donc grâce à ça, on a pu lire dedans. Comment réparer les failles spatiaux, les failles dimensionnelles. Elle est toute la playlist, je trouve qu'elle marche de ouf avec les conneries que je suis en train de raconter. Est-ce que ça, vous savez d'où ça vient? Bonjour monsieur USFK. On est en train de raconter les aventures de Indy Anna Jones. Un robot du passé réveillé et devenu archéologue pour l'argent. La playlist, je peux vous la transférer si vous voulez, même si son nom est un peu... son nom ment en partie. Hein. C'est censé être une playlist sans DMCA, c'est pas vrai. Mais, hop, c'est que des musiques de jeux vidéo. Et il y a des musiques troll dedans, parfois. Mais on est là que pour la musique, c'est pas grave. Moi ça me va, tu sais, je suis payé à la vue, donc je vais être riche bientôt grâce à la musique, ça me va. Hein. Non. D'ailleurs, par contre, ça me fait penser que vous êtes beaucoup de gens, quand même, à vous être abonnés et tout, et que c'est cool. Mine de rien. Je sais plus où on en est, bah, on est à plus d'une trentaine d'abonnés sur la chaîne Twitch. Et sur la chaîne YouTube aussi, il y a un petit nombre de personnes. Et en vrai, ça fait plaisir, quand même. Payer une chips par mois. Bah, c'est comme ça qu'on nourrit un créateur. Hein. 57 followers, mais quand même, vous êtes 57 à suivre la chaîne. Ce qui, honnêtement, fait plaisir. Ce qui fait vraiment... ce qui fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Et je sais pas combien vous êtes sur la chaîne... la chaîne YouTube, vous êtes 49 également, donc voilà, ça fait beaucoup trop de gens qui suivent ces bêtises. C'est quand même plutôt sympa de polluer vos fils internet. Voilà. Le début à toi, les joueurs des subs ou Twitch te prendra la moitié. Oui, et en vrai, j'étais à deux doigts là, avant ma grande pause pour cause de déménagement, à deux doigts de pouvoir devenir affilié et tout. Bon, je sais que c'est un peu l'arnaque et tout, hein. Comme tu dis, Twitch, il prend tellement, ça sert un peu à rien. Mais j'étais à deux doigts de pouvoir passer la barre de tous les trucs. Ça se fait assez vite, au fond. Pas tellement de l'arnaque. Bon, ils prennent quand même pas mal, quoi. C'est pas très, très rentable. Mais ça fait chier. Oui, bah voilà. Si jamais vous avez très envie de me soutenir, vous regardez, il doit y avoir un lien quelque part, un Linktree qui mène vers un Ko-fi, je crois, de mémoire. Vous pouvez donner des sous directement, ça prend moins que Twitch. Si vraiment vous avez des thunes en trop.
un lien quelque part. Bon. Et je suis là pour vous prendre tout votre argent, ça se voit, non? Je suis en train de réfléchir à comment représenter... J'ai streamé pendant 2-3 mois, nous dit Kaiser, je suis devenu affilié, j'ai eu un sub, jamais reçu l'argent, c'était pas assez pour un paiement Twitch. Et les pubs, c'est de l'arnaque, nous disent Wi-Fi, sur un an et demi d'affiliation, j'ai gagné 13 centimes grâce aux pubs. Ah ouais. Mais oui, Kaiser, il faut attendre une certaine somme pour récupérer cette une, donc pour l'instant, il faut que tu gagnes plus. C'est tout. C'est pour te motiver, voyons. Donc, étape 1, pour réparer les failles spatio-dimensionnelles, il faut... un tube de glu. Ou que tu rediriges les gens vers une autre plateforme. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, en tout cas, le prix du pour toucher les sous-sous de Twitch, faut avoir 100€ de sub. Ouais. Donc c'est pour ça, hein, moi je connais pas mal de streamers et tout qui... J'ai Ko-fi, c'est pareil que Patreon, honnêtement. Sauf qu'en plus, vous pouvez me commander des dessins. Mais du coup, oui, normalement, il y a un lien Ko-fi quelque part. Là, j'ai vraiment la flemme d'aller le chercher du chapeau. Mais je suis... Normalement, je suis pas trop nouveau, je l'ai mis sur la page Twitch. De là à venir à savoir où, c'est beaucoup me demander. Après tu peux toujours vendre des t-shirts. Allez. Merci Zwifi. Vous versez la glu dans la bouche du truc. Désolé, je leur je suis en rush pour finir un pantalon pour vendredi. Et du coup, si vous me donnez 100 balles, vous pourrez acheter des pantalons faits par Yosef K dans le rush. Je suis vraiment heureux à chaque fois qu'on me donne de l'argent pour un de mes jeux Pay What You Want sur Itch. Oui, je suis d'accord, Kaiser, là, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, quelqu'un m'a filé... 2 balles pour mon module pour jouer en solo à Space Bounty Blues. Et à chaque fois je suis en mode oh c'est gentil, j'étais pas obligé vous savez. Attendez un peu, et puis 3. Grâce à votre super bras glu. Vous pouvez reboucher les failles. Après tu nageras dans ton coffre de pièces, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte Angela de nager dans des de thunes. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut que je fasse en fait, c'est comme ça. Et comme ça, voilà, vous avez réparé. En fait, c'est un peu Carglass, vous voyez. Et voilà. Vendre des mugs, capitalise sur la cale aussi, à la base c'est ton projet. Comment ça c'est mon projet, la cale? Indie répare un arbre. J'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant on a débloqué. On a appris à réparer les failles dimensionnelles. C'est cool, non? Quand même.
Bah la cale, c'est toi et Youssef qui vouliez faire un truc et vous m'avez incorporé. Ah bon? Vraiment? Merde, je me souviens plus du tout. Ça date tellement, ces histoires-là. Je me rappelle qu'on voulait faire des conneries sur Internet. Je me rappelle plus exactement de qui a démarré les conneries, j'avoue. Même si pendant 3 ans, je suis le seul à avoir fait ce truc. Bah oui, mais pour ça, pour moi, c'est ton projet maintenant. Ah, je vous parlais des musiques. Des musiques random, parfois. Bon, il y en a une. Ah, ça, tu vas reconnaître, Wifi. Donc ça, c'était le premier... La première scène, on a récupéré le savoir interdit de Goltar, de Goltor. C'est cool, savoir interdit de Goltor. Et puis deuxième truc qu'on va chroniquer. Bah oui, en plus tu nous en as parlé récemment. Alors pas directement pour parler du jeu, mais pour en parler en tant qu'inspi. Je t'aide. Si vous savez, les gens dans le chat, n'hésitez pas à griller à priorité à Zwifini, si vous savez ce que c'est que cette musique. C'est vrai que ça manque de casou. C'est trop épique pour ton personnage. Oui, mais en même temps... Non, c'est pas trop... Oui, c'est Enter the Gungeon. Tout à fait, Zwifi. C'est pas trop épique pour mon personnage, parce que là, c'est le moment fatidique. Indiana Jones est plus tranquille dans la bagarre. Tu penses? Est-ce que... Il est plus tranquille dans la bagarre. Mais attends, parce que là, il y a que les musiques de Crypt of the Necrodancer, alors ça va pas être chill. Non, mais à ce prix-là, est-ce que... Et puisque ça, ça sera chill. Ouais, il utilise les mots plutôt que les points. Non. Non. Pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour notre Indiana Jones? Donc, il a défoncé un mur en pensant qu'il allait avoir de la thune. Mais non. Il a créé une faille spatio-dimensionnelle et il a réveillé une grosse créature qui est pas contente. Parce qu'il est un peu neuneux, notre ami. Du coup, il a dû aller récupérer des griffes d'une secte terrible et combattre un... C'est vrai que normalement, il y a une histoire de pingouin. C'est un pingouin... Comment ? Un pingouin cerbère. Voilà. Qui l'a poursuivi. Mais du coup, on a explosé tout le monde et on a obtenu le... comment ? Le guide. Interdit. Non, c'était quoi? C'était le savoir interdit de Goltor. J'aime trop ce nom. Ça rentrera jamais, hein. Ah, quoique. Non, ça va. Allez. Et donc maintenant... Deuxième scène. Il va expliquer comment il a renvoyé cette créature dans sa dans cette dimension. Et donc bah là aussi, hein, on va y aller en grandiloquent. Et il faudrait qu'on cale une référence. Est-ce que vous avez une idée de référence à mettre comme
Il disait quoi, ses références à un livre, à une BD, à une musique, à un film, à quelqu'un. C'est pour lancer plus de dés. Samantha Fox. Oh, ça date tellement. Bender. Samantha Fox. Tralala. Faudrait que je revoie des épisodes, mais je pense que c'est vraiment pas terrible. Hein. Bender Fox. Du coup, on a eu l'aide de Bender Fox, aventurière. Vraiment, Bender Fox, je suis juste en train d'imaginer un robot inutilement sexualisé. Avec trop de maquillage et tout. Et c'est juste Bender qui fait semblant d'être Samantha Fox. C'est l'enfer. Bah, Samantha Fox, attends, si on parle bien de la même, tu m'enlèveras pas de la tête que... Enfin, clairement, les mecs, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Alors, il y a une chanteuse, Samantha Fox, mais du coup, c'est pas du tout ça. Fox, avant, tu... Sydney Fox. C'est Sydney Fox, non? Sydney Fox l'aventurière. Relic Hunter en anglais. C'était... tiens. C'était ça. Est-ce que t'as connu Angela, ça? Sydney Fox l'aventurière. Et du coup, c'était vraiment genre Indiana Jones en meuf. Mais... Ou alors c'est vraiment mes souvenirs d'ado. Je sais pas du tout pourquoi Samantha. C'est peut-être mes souvenirs d'ado qui la sexualisent beaucoup trop, mais j'ai quand même un souvenir que la série, elle se faisait plaisir. Elle nous la montrait un peu toute nue et des trucs comme ça. Au moins dans le générique, je me rappelle que dans le générique, il y a un truc comme ça. Donc il y avait son assistant qui était un peu neuneux. Enfin, il était neuneux. Il était un peu naïf, quoi. Il était un peu niais. Il y avait elle qui était archi efficace, genre Tomb Raider, voilà. Et puis il y avait l'assistante. C'était l'assistante, la blonde, je crois. Mais en vrai, bah, c'était fun, quoi. Mais c'est vrai que ça valait pas haut de ouf. Et je sais plus. J'ai aucun souvenir d'elle. La blonde, putain, mais... Je sais plus. J'ai un vague souvenir qu'elle essayait de draguer des gens, mais... elle avait la doubleuse des blondes. La doubleuse française des films M6, des séries M6 blondes. Et du coup, elle était insupportable, sa doubleuse. Vraiment. Elle était doublée comme une abrutie, quoi. C'était série M6, ouais, c'est ça. Enfin, je sais plus si c'était M6 en particulier, mais ouais. Donc ça monte... Ah, Sydney Fox, l'aventurière, ouais. En vrai, c'était rigolo. Du coup... Et notre robot. Il y a son petit chapeau qui devient de pire en pire. Qui est déterminé là. Avec sa sap clé à molette. C'était l'époque de Malcolm, j'avais autre chose à regarder du coup. Mais ça passait pas, même, je sais pas, ça passait pas même ça. Tu vois, Malcolm par exemple, j'ai pas forcément regardé. Je sais que mes frangins regardaient un peu. Mais je suis un peu passé à côté de Malcolm. Bon, aussi parce que je suis rarement de ouf sitcom, mais... Je regardais avec eux, j'aimais bien. Mais j'arrivais quand même à regarder Samantha Fox. Donc je pense pas que ça passait sur les mêmes créneaux aussi. C'était le dimanche. On est prêt à l'action. Et puis du coup, on a... Mais pour le coup, Sydney Fox était diffusé après Malcolm. Hein, c'est peut-être pour ça.
Ou alors après aussi c'est peut-être des histoires d'horaire parce que j'étais encore à l'école à ces moments-là aussi. Hein. Tout simplement. Hop. Puis après, boum, plein de séries nulles type Sydney Fox pour le remplacer. En gros, Malcolm, au début, c'était la dimanche soir jusqu'à deux saisons 2. Ouais. Oui, bah. Hop, et du coup, on a notre tube de glu dans la main, là. Et elle, vu qu'on a dit que c'était Bender, elle a une taille, évidemment. Ça, c'était avant l'événement caméra et café. Oh. Et H. Alors H, moi, c'est parce que mes frangins avaient les avaient en DVD, H. Hein. Je les ai jamais vus à la télé, si. Ah, bon, on n'avait pas Canal Plus. C'était... On avait l'intégrale à la maison des H. Ça, je m'en souviens. D'avoir les DVD. Mais elle a rien de très caractéristique, en fait, Madame Sydney Fox. C'est relou. Parce qu'à part faire un robot meuf, si elle a des lunettes vite fait de temps en temps, pour vraiment faire genre que c'est une... Voilà. Il passait ensuite sur la 6, je crois. J'avais pas Canal Plus non plus. Ça nous rajeunit pas en tout cas. Donc, on peut se rajouter un 3ème des 6. Hop, et bah écoutez, le robot Fox, c'est comme ça qu'il sera, hein, voilà. Débrouillez-vous avec lui. C'était bien la TNT, déconne pas. J'étais trop content d'avoir la TNT, en vrai, je me rappelle. Ah oui, et vu que c'est Bender... Ouais. On ferait avec. du coup, nanana. J'ai deux sœurs qui ont commencé à monopoliser la télé. Hey. Mais non, avec la... On était contents quand même. Alors, les dés nous disent que du coup, on va rajouter des caisses. On a affronté donc la créature extra-dimensionnelle, là, qui a plein d'yeux, donc, qui a des tentacules. TNT, c'est limite comme avoir le cam gratuit. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que nous disent les dés? Est-ce que je les ai lancés? Je sais plus. Ah merde! Oh, ça, c'est un bel échec! Ça, c'est un gros échec, en fait. Ok. Donc, on a 3 dés qu'on foirait, hein. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, parce que non, faut qu'on fasse plus de 4. Faut qu'on fasse moins de 4. Donc là, il en aurait dû raconter la vérité. On n'aurait pas dû en rajouter. Parce que Bender Fox n'a jamais été... Eh, oh, il va pas être content, Bender Fox, non.
Du coup, 3D raté, aucun de vos dés ne réussit, votre vision de la scène échoue, votre mémoire vous joue un tour et la situation devrait comporter une complication majeure. Racontez cet échec dans l'esprit grandiloquent versé, ainsi que la complication avant de passer à la scène suivante. Je trouve que ça va être la fin. Il va pas être... Ouais, alors, qu'est-ce que... 2 et 1... Donc, complication majeure. Vous avez dû sacrifier quelque chose de précieux pour l'histoire à cause de votre faille. Votre corps a subi des séquelles qui resteront à jamais... Ok. Donc, est-ce qu'on perd quelque chose de précieux? Ou est-ce que on perd un membre? Vous êtes plutôt team quoi, vous? Est-ce qu'on perd notre petit chapeau trop cool? Est-ce qu'on perd, perd un boulon? Perdre un membre pour un robot? Mon plus beau stylo plume. Donc on va perdre quelque chose, ok. Ah, j'imagine bien perdre sa clé à molette, hein, du coup, à ce prix-là. Et est-ce que... Juste une complication. Son écho se trouve... Mon ego se trouve dans ma clé à molette. Ok, donc ce qui est assez passé, c'est que il y a eu des alliés. Déjà, on a galéré à faire comme il fallait. Parce que le but c'était juste de reboucher la faille dimensionnelle, mais il fallait le remettre dedans. C'est un peu compliqué, c'est comme faire re-rentrer le comment ça s'appelle, le dentifrice, une fois que vous avez tout fait sortir. Je sais plus d'où vient cette référence, mais je sais que c'est une référence dans ma tête, à quelque chose. Et donc c'était très compliqué, évidemment. Et en plus, il y avait des... Il y a eu des d'autres... J'imagine bien qu'il y a un culte chez les poulpes, de ce truc là, vu qu'il a des tentacules et tout. Donc il avait de l'aide de poulpe. En plus de tout ça, donc on s'est retrouvé genre c'est des poulpes aux flammes. Allez, vas-y, juste les mettre comme ça. Ouais, c'est des poulpes de feu, mais tu sais, ils viennent peut-être d'une autre dimension, hein, tu sais pas. Donc ils nous ont entourés et tout, c'était compliqué. Genre, il y en a un là qui avait grimpé dessus. T'es en train de lui bouffer le bras. Ils n'aiment pas les robots en fait, ou ils veulent les utiliser comme véhicule. Exterminate. Donc on les menaçait comme ça avec notre truc, mais ça ne se passait pas bien du tout. C'était vraiment trop difficile. Et puis derrière, il y avait le grand méchant avec plein d'yeux.
La situation était désespérée. Ah. Alors les Sims c'est gentil mais c'est pas très désespéré ça comme musique. Et du coup j'ai l'impression d'être un enfant quand je leur racontais des trucs comme ça. Je suis désolé, je skip ça. Oula. Les musiques à venir vont être différentes. Et du coup, ouais, la situation était désespérée. Et donc, on a dû balancer notre... D'un coup, est-ce que vous avez envie de vous appeler camarade? Du coup, on a lancé notre raid alerte, notre putain, mais oui! Oui, il vous suffit tout à fait! Donc, on a dû lancer notre clé à molette. Dans l'œil. Du méchant monstre. Oui. Non, hop. On lui a fait très beaucoup mal. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié son petit chapeau quand même. Voilà. Et grâce à ça, on a pu gagner assez de temps pour reboucher comme sur le manuel. Façon Megaman, vous savez. Ah. Au revoir la musique. Au revoir la musique. Alors, un peu de rabat. Oui. On a pu reboucher la faille qu'on avait faite dans le mur. Et donc, hop, il y avait un trou. Mais en fait, tac, tac, tac. On le rebouche. Alors que la musique de... Alors que la musique de Doom commence en fond. Enfin, le thème de Doom.
Le gros monstre, il n'y a pas envie. Mais il est obligé. Et puis, à côté de nous, derrière nous, du coup, il y a Robo Bender. Il se bat toujours contre les poulpes aux flammes qui veulent créer une nouvelle race parfaite qui détruira tout. C'est un peu compliqué, je pense, pour Bender, Fox Bender, mais c'est pas grave. Tout s'est bien passé. Je sais pas à quoi vous dire, hein, mais je crois que c'est une fin heureuse. Que nous, on est contents. Voilà. Et voilà. Qui voulait que je vous lise? C'est comme ça. C'est du coup. Ferme, voilà, merci. C'est ainsi que IA, Indiana Jones, la Foxbender, il l'en remet au charme. Ouais, grave, de ouf. C'est comme ça, du coup, que Foxbender, il a... Que Foxbender. Que Indiana Jones a empêché une invasion de poulpes flamme et à enfermer pour de bon, bien sûr, une ville créature dimensionnelle qui essaie d'envahir notre monde, et pas du tout lui qui l'a libéré par inadvertance, par un pas du gain, c'est faux. Ok, on est d'accord, ça n'est jamais arrivé. Et du coup, il va partir pour une nouvelle aventure qui est... Donc il va partir sauver quelqu'un. Bah, il va partir sauver Foxbender, je pense. Je sais pas, de notre galaxie. Alors le correcteur orthographique te fait des petites blagues, mais... Alors attendez, je vais retrouver le thème de notre personnage. Hop. Du coup, il va aller sauver Foxbender du culte des poulpes aux flammes. Qui veulent se venger, évidemment. Parce que... parce que on a enfermé leur... enfermé leur divinité. Du coup, ça sera ça plus tard dans le magazine IA & Co. Les aventures de IA Jones. Ce sera Fox. Bender qui a quand même une bouteille, c'est important, et qui du coup qui est prisonnier d'un poulpe géant. Tout est géant, hein, voilà, c'est toujours plus rigolo comme ça, avec les petits poulpes autour et ils sont effrayés en entendant cette musique. Ah bah, qui n'aurait pas peur, hein.
qui n'aurait pas peur en entendant cette... Et voilà, et ça c'est les crédits qui sont chantés par notre ami. Évidemment, ils vont être au milieu de... Comment ? Il va y avoir un volcan derrière. En train d'exploser. Voilà. Laissez-moi écrire des histoires pour les enfants, vous allez voir, ils vont pas être dépaysés. Et lui, il a un chapeau haute forme parce que c'est un méchant. Voilà. Parfait. Magazine bimensuel où il y a les aventures de Pou de notre ami. Et voilà, et bah écoutez, c'est parti dans tous les sens, j'ai trouvé ça très marrant. J'espère que ça vous a un peu distrait, toutes ces bêtises. Au moins, voilà, on pourra pas dire qu'il n'y a pas eu de l'action. Hein. Le jeu marche bien. Moi, je me demande si ça manque pas un petit peu de guidage. Juste pour faire un bref retour sur le jeu. Faire un seul jet par scène, c'est un peu light, je trouve, pour te guider. Après... tu peux tout simplement faire plus classique du coup en demandant un jet, enfin en faisant un jet par action quoi plutôt. Je pense qu'il y a mon chien qui est en train de rêver dans un coin de l'appartement. Hop. Mais du coup, voilà, c'était mes mémoires. Les tables aléatoires par contre sont très fun. Enfin, sont très bien, elles aident bien, elles font bien leur café. Peut-être aussi changer un peu plus complications mineures et complications majeures, parce qu'en fait, les complications mineures, c'est juste une forme moins forte des complications majeures, et du coup, ça fait un peu moins de possibilités d'inspiration sous le coude, ce qui est... Quand t'es du genre à jouer en solo ou même que t'es du genre à improviser, avoir des tables aléatoires variées, c'est toujours plus sympa, ça fait toujours un peu plus de choses, de branches auxquelles se rattraper. Je trouve. Du coup, merci encore d'être passé. Si jamais le cœur vous en dit, le jeu, il est là. Pour rappel, il fait aussi partie... d'une game jam dédiée avec ce système là en particulier de jeu. Hop. Voilà. Donc c'est Things and Another Things. Il y a 27 participations. Elles ont toutes l'air plutôt chouettes. Il y a pas mal, il y a à boire et à manger. Voilà, je vous remonte vite fait les propositions. Mais là il y a du de l'action un peu thaïlandaise. Asiatique, nié. Donc ça, mes mémoires, c'est assez générique. Mais voilà, pour raconter un peu une aventure quelconque. D'ailleurs, il faut que je signe la signature de notre robot. Voilà, c'est ça. Un archibot, clairement.
Il y a Ronin, il y a Soul Eye Survival pour jouer du Dark Souls, Drag from Mars, plutôt thème queer, Bête et Humanité, voilà, pour jouer un vampire, détective et fantôme, Chaos et Control pour jouer du Sonic. Incroyable. Voilà, donc il y a plein de trucs, vous pouvez jeter un oeil. Smash and Brothers, c'est dans les jeux vidéo. Allez, jetez un coup d'œil à tout ça. Et à une prochaine, je sais pas trop. Les lives c'est un peu chaotique en ce moment. Peut-être à mardi prochain, peut-être à jeudi prochain. Je sais pas, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et jouez bien, dessinez bien, racontez des conneries. C'est toujours chouette. Et dédicacer, c'est trop cool. Et bon après-midi à vous, bon goûter, bonne balade de chien si vous faites comme moi. Et puis à plus sur Twitch et YouTube aussi, puisque ça en rediff sur YouTube. Et voilà. Salut tout le monde. Excusez. Non, c'est bon, tout est fermé. Et bah bonne anarchie bot à vous.